Voilà, j'ai deux petites questions. Coach, la première, vous parlez italien. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de communication avec les joueurs? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y aura un adjoint algérien avec vous? Merci. Ci sarà, non, ci sarà problemi di comunicazione perché lei parla italiano con i giocatori e se ci sarà un suo aiutante che è algerino. No, prima cosa io adesso cerco non parlare francese perché voglio essere più chiaro e che mi capite un po' meglio. Je n'utilise pas le français pour l'instant afin que vous soyez que vous compreniez le message que je souhaite délivrer. Come avete visto, capisco tutto e riesco anche a rispondere e soprattutto uno a uno con i giocatori non avrò mai problemi. E come vous pouvez vous en apercevoir, je comprends très bien le français et je pourrai très bien m'exprimer aussi en français quand il s'agira d'un dialogue avec les joueurs. E nello staff avremo tutti quanti che parlano più lingue. Dans mon équipe, il y aura des personnes qui parleront plusieurs langues. E soprattutto ci sono tanti giocatori che hanno giocato o giocano in Germania, in Italia, in Francia, così che una lingua universale calcistica troviamo. Et dans le groupe, il y aura des joueurs qui parlent l'allemand, le français, l'anglais, etc. Donc, et italien aussi. Et vous savez aussi très bien que le foot, le langage du football est un langage universel. Et pour un joueur français, algérien, je voulais parler 7 jours.